Le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, Youssouf Abbasala, accompagné des techniciens de son département, se trouve au Tibesti. Le ministre Youssouf Abbasala et son équipe sont allés opérer une reconnaissance géologique des sites aurifères actifs de la région et aussi s'entretenir avec les autorités locales et la population. Abdelhadi Mohamed Salih. Située à l'extrême nord du Tchad, la région de Tibesti est une terre riche de minerais, surtout de l'or. Une richesse dont l'exploitation est malheureusement anarchique et entraîne des conséquences néfastes sur l'environnement, la sécurité, la santé des personnes et des animaux. C'est donc en toute logique que Youssouf Abbasala, ministre du département des mines, de la géologie et des carrières, a fait les déplacements à Zouar, comme à Bardaï, Wour et Kourougouri. À chaque étape de sa tournée, le ministre s'est entretenu avec les autorités administratives et sociales de la région. L'objectif étant de sensibiliser et d'écouter ces autorités et les populations sur les phénomènes d'exploitation anarchique de l'or du Tibesti. Pour élargir la sensibilisation, le ministre a mis le vœu d'approfondir la réflexion sur les défis et les enjeux de l'exploitation de l'or à travers un séminaire régional qui va se tenir au début de l'année prochaine en impliquant tous les acteurs. Tout à fait autre chose à présent, une mission parlementaire a séjourné dans la région du lac, à Bol pour être précis. C'est dans le cadre de l'enquête sur le système éducatif au Tchad, constat sur le terrain avec Mohamed Souleymane. Les parlementaires tchadiens s'engagent à redorer les blasons du système éducatif tchadien. Conduite par le député Adou Mustapha Brahimi, une mission parlementaire s'est rendue à Bol dans la région du lac. Objectif: s'enquérir des difficultés et des insuffisances que rencontre la délégation régionale à l'éducation et à la jeunesse. Aussitôt arrivée, la mission a eu une séance de travail avec le gouverneur du lac Adoum Forte Amadou, rencontre élargie aux responsables de l'enseignement. Le délégué régional à l'éducation et à la jeunesse, Moussa Issa, promet aider la mission à atteindre son objectif. Le chef de mission, le député Adoum Mustapha Brahimi, a mis l'accent sur l'enjeu de cette tournée. Mais nous allons être témoins oculaires pour savoir si les enseignants affectés au lac sont présents physiquement ou ceux qui sont permissionnaires ont regagné leur lieu de travail. Pour le gouverneur Adoum Forte Amadou, l'implication des parlementaires dans le système éducatif aidera le corps enseignant à bien faire son travail. À la fin de votre mission, le système éducatif dans la région trouvera un bouffet d'oxygène afin que nos frères, nos sœurs, nos enfants puissent fréquenter dans des conditions acceptables. Adoum Forte Amadou d'ajouter que la crise née de Boko Haram a eu un impact négatif sur le système éducatif. Une autre équipe de députés s'est également rendue dans le Borku pour les mêmes objectifs. Sur place, la mission a eu plusieurs activités avec les responsables en charge de l'éducation. Kadnouba Théophile. La mission parlementaire chargée de faire l'état des lieux du système éducatif dans la région du Borku, composée de députés de la dite région, notamment Mamad Ahmad Béchir, Mansour Hamid Nouri et Mamad Issa Halikimi, a de prime abord tenu une rencontre avec la délégation de l'éducation, les parents des élèves et le syndicat des enseignants. Rencontre qui a permis aux autres des membres de la mission de relever les difficultés qui freinent le bon déroulement de l'école dans le Borku. Ces difficultés sont entre autres l'insuffisance des infrastructures, des matériels didactiques et aussi le manque de collaboration entre certains parents et les enseignants. La délégation a mis cap dans la préfecture de Kirdimi et à Kouba. Dans les deux localités, la délégation a eu à faire le même travail avec des hommes et des femmes impliqués dans le système éducatif. Occasion pour le gouverneur d'exhorter la mission à prendre en compte les difficultés évoquées dans leurs recommandations. Dans la sous-préfecture de Kouba-Olanga, il y a un acte qui a été créé, mais il n'y a pas des infrastructures pour accueillir les enfants. Et alors, chaque fois que les enfants passent au niveau du 6e, il n'y a pas des enseignants dédiés pour faire fonctionner ce CG-là. Pour mesurer l'ampleur des difficultés, la délégation a visité quelques établissements des villes de Faya, Kirdimi et Kouba.
Dans le SILA, un nouveau bureau de la coordination des associations de parents d'élèves est mis sur pied. Cette nouvelle équipe aura pour mission d'accompagner les autorités en charge de l'éducation afin de garantir l'épanouissement des élèves. On en parle avec Moussa Mboud Abdoulaye. Le bureau de la coordination régionale des associations de parents d'élèves de SILA compte 7 membres ayant à sa tête Abdelmajid Hassan. Cette nouvelle équipe aura désormais pour mission non seulement de défendre les intérêts moraux et matériels des parents d'élèves, mais aussi de veiller et accompagner les autorités en charge de l'éducation pour garantir l'épanouissement des enfants à l'école. Le nouveau coordonnateur de l'APE de SILA, Abdelmajid Hassan, mesure la portée de la tâche qu'il attend. Il sollicite à cette occasion le concours de tous les parents d'élèves pour relever les défis. Installant le bureau de la coordination des associations de parents d'élèves, le gouverneur de la région de SILA, Ramadan Erdebou, invite les membres de la coordination à travailler en synergie pour la réussite de l'année scolaire en cours. Ramadan Erdebou a par ailleurs exhorté la nouvelle équipe à collaborer davantage avec les différentes composantes du système éducatif au niveau de la région de SILA.